Vraiment, avant de continuer la famille, vraiment, j'aimerais souhaiter mes condoléances les plus attristées, la famille, à toutes les personnes endeuillées, toutes les familles endeuillées. Notre pays, le Gabon, depuis plusieurs jours, est en deuil par rapport au naufrage du bateau Esther Miracle, qui a endeuillé plusieurs familles. Je suis suivi au Gabon. Vraiment, mes condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées. Yo, la famille, comment ça va? J'espère que vous portez bien. Salut, c'est le Christ fait des vidéos. J'espère que vous allez très, très, très bien. Mais moi, ça va par la grâce de Dieu. Merci. Si vous allez bien, je vais bien, la famille. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, la famille, il y a un nouveau dossier, la famille. Est-ce que vous avez regardé la vidéo là où Chambre Allo a manqué le respect à Badekon, chef? Tu es malade dans ta tête, Badekon. Tu es malade dans ta tête. Hein? Chambre Alloué a pris Balekon cher quand c'était son père, il a plié, il a insulté, il a parlé. Oui, moi je trouve qu'en fait que la réaction de Chambre Alloué par rapport au poste que Balekon chef a fait, c'est vraiment vraiment bien. Comme ça, il va comprendre sa place en tant qu'un grand sur Facebook. C'est pas parce qu'on est sur Facebook que lui va venir mettre un peu sa bouche partout que, comme dit Chambre Alloué, c'est lui le plus grand Gabonais sur Facebook. À un moment, lorsqu'on écoute la vidéo de Chambre Allouée, il dit clairement dans sa vidéo que non, il est dépassé par rapport au comportement des Badekon chef. C'est ce qui l'a amené à pouvoir parler ainsi à son aîné. Il a dit que à chaque fois, Badekon chef le met des pics dans les publications. Et là, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase, la famille. Là, il est parti des points fouets. Il n'a pas raté Badekon chef. Pour Badekon chef, lui, il attaque qui frontalement Chambre Allouée parce qu'il trouve que Chambre Allouée n'a pas fait assez par rapport au naufrage qui s'est passé récemment dans le pays qui est le naufrage d'Esther Miracle. Il trouve que Chambre Allouée, que le petit Chambre Allouée n'a pas fait assez de postes pour pouvoir souhaiter les condoléances aux familles attristées, les familles qui ont perdu des parents dans ce naufrage. Le Chambre Allouée était plus concentré sur sa vie d'humoriste sur le web. Il publiait ses vidéos humoristiques, il publiait ses partenariats avec des entreprises, etc. Il faisait des publicités, etc., etc. Et à un moment donné, ça a pété complètement la tête des Badekon chef et dire que non, c'est quelle vie, qu'on en deuil. Et le petit ne fait même pas un post, il ne fait même pas une publication afin de pouvoir dire, entre guillemets, je soutiens les familles endeuillées par rapport à cette triste nouvelle. Badekon chef a fait une publication sur sa page Facebook et il a identifié Chambre Allouée. En identifiant Chambre Allouée, il a remarqué cela. Et le petit, ça a complètement pété dans sa tête. Et quand ça a pété dans sa tête, la famille, ça a pété la famille. Et quand ça a pété la famille, ça sentait mauvais et ça a donné cela à la famille. C'est quoi? Nous sommes en deuil. Nous, c'est tout le Gabon. Moi, je fais quoi? Campagne de quoi? Tu me demandes quoi depuis des années? Toi, tu es un activiste. Tu es d'abord même pas un activiste. Tu es un marmailleur. Tu es un bandit. Ce que tu fais en France avec ta page, tu es un bandit. Tu as monétisé tes réseaux sociaux pour que les Gabonais regardent du contenu. Dès qu'il y a quelqu'un qui brille, si c'est une jeune fille qui brille, elle est dans l'entrepreneuriat, c'est elle que tu colles, qu'elle est bordel. Elle fait la prostitution, bien elle est dans les roses croix pour que les gens s'intéressent à ton contenu. Un artiste humoriste que tu as vu, tu l'appelles, s'il n'est pas d'accord pour insulter le chef de l'État ou bien pour parler tous les problèmes de la nation dont il ne connaît ni tête ni queue, refuse de collaborer avec toi, celui que tu colles qu'il est homosexuel, tu colles qu'il est rosicrucien. Tu es malade dans ta tête, Badekon, tu es malade dans ta tête. J'ai posté les trucs, j'ai fait un direct sur ça. Tu veux que je fasse quoi? S'il y a un numéro ouvert même pour cotiser, je vais cotiser. Je fais quoi encore? Je vis de ça. C'est le seul boulot que j'ai. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas couturier, je ne suis pas styliste. Je suis humoriste, influenceur web et créateur de contenu sur le méta. Je vais constamment publier. Même si le pape meurt, je vais publier.
publié jusqu'au jour où moi, le bon Dieu viendra aussi m'enlever la vie. Un grand frère malade, tu vas prendre mon live. Ce sera le premier et le dernier. Je t'ai beaucoup invité. Tu vas prendre mon live, tu amènes où tu veux. Je suis humain. J'ai le droit de m'énerver contre toi. Tu me suis tellement. Tu viens sur ma page, tu prends des commentaires sur ma page, tu amènes chez toi. Tu as un Gabonais qui aime son pays, il est prêt à aller, a dit aux autres d'aller marcher en face des armes. Lui n'est pas là, tu es fou. Tu as trouvé des gens fous comme toi qui te suivent, qui encaissent ça, c'est bien. Les autres qui ont leur page comme pour toi là, quand eux ils ne font pas ce que tu veux, laisse-les tranquilles. Si eux ils n'ont pas insulté le chef de l'État comme toi, laisse-les. Eux ils n'ont pas la même vision que toi, eux ils n'aiment pas le Gabon comme toi. Bats-toi pour ton Gabon que tes parents ont construit, que tu as envie de récupérer. Chien vert! Il y a eu le bateau, j'ai déjà publié, j'ai fait un live. Je vais dandiner sur ça. Vous êtes derrière vos claviers, les plus hypocrites c'est vous, vous ne faites rien. On met même un numéro vert là, même 100 francs vous n'allez pas envoyer. Toi-même en France tu souffres, tu ne vas même pas envoyer 1 euro. Ouais, moi parfois je trouve que bah, le conchef n'a rien à faire quoi. Il n'a rien à faire, il n'a rien à dire. Il s'épique tellement des galons sur Facebook parce que... Il a tiré de l'audience dans les sujets un peu divers du pays, etc., etc., qui se dit qu'il peut déjà mêler un peu sa bouche partout, partout, afin de parler de n'importe quel problème. Moi, je trouve en fait que Chambre a loué l'ami à sa place. Oui, Chambre a loué l'ami à sa place en tant que grand. Un petit comme ça, quand il va s'asseoir, il va se réfléchir. Ah, c'est un petit comme ça qui m'a parlé de cette manière. Oui, il doit comprendre que quand tu es un grand, je te mets à ta place. On ne doit pas parler des sujets n'importe comment, à n'importe quel moment. Ce n'est pas aussi partout. Là, on doit mettre nos bouches.